Le projet ayant pour objectif donc de redéfinir l'espace de cette place nervienne en zone de rencontre, en espace de convivialité, afin d'accueillir au mieux notamment les multiples événements qui s'y déroulent, notamment les marchés hebdomadaires d'abord, mais également les foires de Messine, les feux de la Saint-Jean et tous les autres événements. Le but, c'est également d'améliorer la mobilité douce, la circulation des piétons, des cyclistes, tout en conservant du stationnement et une ouverture à la circulation. Le but, c'est également de végétaliser cette place de manière à structurer l'espace et aussi à dissimuler les zones de stationnement pour en faire quelque chose de beaucoup plus agréable visuellement. Le but est également d'intégrer du mobilier urbain, des abris vélos, mais également des bornes de recharge pour les voitures et les vélos électriques, d'intégrer les bulles à verre enterrées, intégrer aussi en son centre un aménagement pour qu'il soit résistant au feu, pour pouvoir justement accueillir les événements des feux de la Saint-Jean. C'est également intégrer des bornes foraines, des bornes maraîchères pour les marchés, bah, avec des branchements électriques. La volonté, c'est également d'intégrer des toilettes publiques, ainsi, point important, qu'une ouverture d'un accès vers le parc du CPAS pour en faire un cheminement qui soit agréable et naturel. Alors, donc, comme c'est une mission d'auteur de projet, il convient de désigner une équipe qui soit pluridisciplinaire pour accompagner cette mission. Cette équipe sera sélectionnée donc en fonction de la pertinence et de la qualité des propositions d'aménagement, mais également en fonction de la qualité environnementale des matériaux utilisés, également du caractère respectueux du chantier en lui-même afin de minimiser les nuisances. Alors, pour ne pas freiner l'avancement du projet, il a été proposé de le faire en plusieurs volets. Un volet avec une tranche ferme, c'est-à-dire un volet qui se fera obligatoirement et concerne la place en elle-même et les trois voiries communales, et une tranche conditionnée qui concerne la rue des Canonniers. Le but étant de commencer le plus rapidement possible les travaux et de pouvoir faire ça dans les délais impliqués par les subsides. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Leschwin. Alors...